Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Speed Build. Aujourd'hui, j'ai essayé une chose nouvelle, un style nouveau que je ne pratique quasiment jamais parce que je n'arrive pas à le faire. Mais grâce à Internet et notamment à Pinterest, j'ai trouvé une photo qui me plaisait bien d'une maison moderne. Et je me suis essayée et j'avoue que le résultat, je suis plutôt contente. Ça me plaît plutôt pas mal. Donc vous voyez déjà, c'est déjà des volumes un peu... une façade un peu pas nette, enfin pas lisse, pas juste un cube quoi. Parce que de temps en temps c'est plutôt bien. Là je galère avec les demi-murs, d'ailleurs je crois que j'ai un bug sur les demi-murs en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fait cette maison ça n'a pas arrêté de bugger dans tous les sens, mais bon. Et il y avait la poutre en bois qui volait par rapport au mur, c'était n'importe quoi. Alors pour cette construction, je m'en suis donc inspirée d'une maison que j'ai vue sur Pinterest. Je n'ai vu que la façade, donc après j'ai fait comme je voulais à l'intérieur. Notamment là, j'ai rajouté un peu de volume sur le côté avec quelques carreaux puisque je trouvais que c'était trop lisse en fait, ça faisait vraiment trop cube, pas le devant mais sur les côtés, donc ça me gênait un petit peu. Et double fenêtre, une grande fenêtre et une plus petite en fait, comme sur la photo c'était, je me suis dit bon je vais faire comme ça, c'est plutôt pas mal, et puis ça donne un style. Alors, des étagères comme ça, c'est un truc que j'ai vu sur YouTube et j'ai trouvé ça très intelligent. Puisqu'on a les espèces de corniches qu'on peut ajouter sur les murs, mais des fois ça ne se met pas comme on en a envie. Alors que bah, si on met une petite étagère comme ça, ça rajoute un volume et c'est nous qui la mettons là où il faut. Donc j'ai trouvé l'astuce vraiment bien. Au dos de mon gros cube, j'ai rajouté pareil quelques petits carreaux qui seront pour les escaliers, puisque bien sûr il faut monter jusqu'au deuxième étage. Alors c'est assez rare les maisons où je fais deux étages, en général je me concentre sur un seul, mais bon là on est sur un petit lot qui fait 20/15, donc effectivement j'avais pas trop de place pour faire tout ce que j'aurais voulu faire dans cette maison. Et surtout, je trouvais ça plus joli de les lancer sur deux étages plutôt qu'un seul. Bon là j'ai galéré parce que en fait la couleur de l'escalier ne matchait pas avec la couleur du sol que j'avais mis. Voilà, alors j'ai quand même réussi à faire mon demi-mur sur le devant qui se raccordait avec le devant. Ça c'est aussi une petite technique que j'ai eue sur YouTube et il y a des tutos qui sont hyper cool, qui nous apprennent des trucs. Voilà, là je commence à installer les escaliers et je me dis bah oui dis donc pour aller venir d'un certain niveau, comme le niveau au premier étage pour aller au deuxième étage, il faut que j'ai un escalier aussi. Non, que forcément, j'ai doublé l'espace des escaliers et ça a réduit un tout petit peu l'espace au premier et deuxième étage. Mais ça, c'est pas très grave, puisque de toute façon, le deuxième étage, ce n'est qu'une seule pièce, un peu comme un grand studio en fait. Mais bon, ça, vous le verrez. Alors, pour la décoration de cette maison, je suis partie vraiment sur du noir et blanc, tout court. Bon, du coup, on a quand même des teintes grises, évidemment. On a quand même des plantes, donc on a un peu de vert, ce qui rajoute un peu de, un peu de couleur et un peu de vivant, un petit peu de vie, quoi. Tout simplement, un petit peu de vie dans l'espace. Mais j'ai vraiment concentré sur le noir et blanc. Je sais pas pourquoi. Je suis partie là-dessus pour la cuisine, comme vous pouvez le voir, et j'ai étendu sur toute la maison. Et finalement, je trouve que c'est hyper sympa. En même temps, comme c'est une maison moderne, eh bien, je dirais que ça s'accordait plutôt bien, mais partout. Alors là, j'ai un peu galéré pour faire la cuisine. Je voulais mettre un îlot de cuisine, mais ça marchait pas. C'était trop gros, tout ça. Donc finalement, j'ai juste remis... Vous voyez là, je vais encore avoir un bug avec mon demi-mur. La poutre, elle s'en va. Bon, c'est pas très grave. Donc j'ai postulé sur un retour de cuisine vers la porte d'entrée et tout simplement une table que finalement j'ai trouvé trop grande, donc je l'aurais faite en plus petit. Puis ensuite, le salon que j'ai un peu cloisonné. J'aurais voulu qu'il soit plus grand, mais finalement, comme il est fait, j'aime beaucoup. Et c'est un peu cosy et quand même chaleureux. J'ai utilisé les banquettes qui viennent du kit fitness. Je crois que c'est fitness. Je les avais jamais utilisées et je les trouve vraiment parfaits pour ce genre de décoration. Que ça fait un peu un ottoman, mes banquettes. Et les coussins sont pas entièrement noirs ou blancs, donc ça rajoute aussi un petit peu de couleur. Et la plante que j'ai mise, elle est de Heure de Gloire, je crois, et elle est super jolie. Celle-là, je l'utilise partout, je la mets partout. Elle est vraiment trop belle.
Voilà, un petit peu de déco, histoire 2, voilà, ça rajoute un peu de vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Finalement, on rajoute aussi une chaîne Hi-Fi dans l'entrée, puisque c'était... Oui, ouais, voilà, ce que j'allais dire, c'était que là que je voulais la mettre, mais finalement, je l'ai changée, je l'ai mise en salon, oui. C'était logique, parce que mettre de la musique dans l'entrée, c'est pas trop, alors que la musique dans le salon, c'est plus logique. J'ai déniché ce superbe tapis qui est du Dadon Vampire, je crois, en noir et blanc. Il est très beau, je l'avais jamais utilisé. Les cloisons aérées comme ça qui viennent de Heure de Gloire, c'est la première fois aussi que je les utilise, donc je suis très contente parce que je les avais déjà remarquées et c'est vrai que je les avais jamais utilisées. Quelques petites choses et après, ouais, alors ça a été l'histoire des stores, des fenêtres, de trouver des rideaux qui matchaient bien, ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini par trouver. Et ici, après, c'est vrai que j'avais fait cette petite avancée dans le mur, là, qui faisait un petit carreau un peu qui servait à rien. Donc, c'était un peu difficile de le meubler comme il fallait, quoi. Ah, et là, je me suis fait un petit kiff de faire un espèce de mur végétal. Et pour apporter de la chaleur dans cet ensemble noir et blanc et vert, eh bien, les planches de bois que nous avons en façade, je les ai mises aussi à l'intérieur. Et à chaque fois, dans une pièce, on a un côté bois qui fait vraiment beaucoup plus chaleureux. Donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sympa. La petite déco, des fleurs, tout ça, c'est logique. Là, on attaque le premier étage où va se situer une salle de bain et deux chambres. Donc, dans la première salle de bain, au moins, le petit... renfoncement sera très utile pour mettre une douche. Puis j'ai mis une baignoire et pas n'importe laquelle de baignoire. Et vraiment ça fait un ensemble, voilà. Vous pouvez prendre une douche ou un bain, tout va bien, vous pouvez le faire. Les toilettes et le lavabo seront toujours les mêmes partout. Donc au rez-de-chaussée vous avez un toilette tout seul. À l'étage vous avez une salle de bain complète et au deuxième vous avez une autre salle de bain. Avec toilette, tout ça. Donc, vos Sims seront heureux, ils pourront en faire pipi à trois endroits différents, ça c'est cool. Pour les chambres, j'ai choisi les mêmes meubles, c'est juste un peu la décoration qui va changer, c'est-à-dire c'est le même lit, le même armoire. Là d'ailleurs j'étais très contente, je ne savais pas que l'armoire je pouvais la mettre sous l'escalier comme ça, donc ça m'a fait gagner de la place, ce qui est pas plus mal. Et sur, oui bah oui c'est vrai, parce que sur le palier j'ai voulu faire l'espace bibliothèque vu que j'en avais pas mis au rez-de-chaussée. C'est un grand espace qui du coup est utile puisque j'ai mis deux fauteuils, la bibliothèque assez grande, un peu de plantes évidemment, un beau petit tapis et deux superbes fauteuils, toujours noir et blanc et c'est hyper sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup, même si on pourrait croire que ça manque un peu de chaleur. Vu qu'il y a des plantes et qu'il y a certains murs qui sont en plaqué bois, je trouve que ça réchauffe beaucoup plus l'ambiance et ça fait beaucoup plus vivant et chaleureux. Et en plus, ce superbe tapis qui est juste des espèces de symboles, écritures, qui sont pas, c'est pas vraiment plein comme motif, mais j'aime beaucoup. Disons que ça habille énormément la pièce. L'autre tapis un peu tacheté, je crois que ça vient du kit Animal et compagnie, là, mon animal de compagnie. C'est très très rare quand j'utilise quelque chose de ce pack, hein, mais effectivement, celui-là collait super bien, donc je me suis dit, bon, bah, bonus. Voilà les deux murs que je fais donc en bois séparé par une poutre noire. Et là, je mets aussi le mur de fond des escaliers aussi en bois. Ça réchauffe beaucoup plus. Et là, maintenant, ça va être la chambre au deuxième étage. La chambre parentale, alors bien sûr, là où il y a le plus de place, là où c'est plus cocooning, cosy, avec une superbe vue. C'est normal, c'est les parents. J'installe déjà la salle de bain, puisque c'est quand même compliqué de mettre ce qu'il faut là où il faut. Je voulais vraiment que ça rentre dans ce tout petit espace, mais j'ai quand même dû faire un petit crochet, parce que sinon ça, je ne pouvais pas mettre les toilettes. Et je voulais vraiment qu'il y ait une toilette au deuxième étage. Ça évite comme ça que votre Sims, s'il a vraiment envie de pisser quand il se lève, ils ne doivent pas se taper deux étages. C'est un peu compliqué. Deux petites commodes, deux petites plantes à l'entrée. J'ai pas fait de porte fermée hein, quand on sort des escaliers, j'ai voulu que ce soit ouvert. Et le balcon. J'ai ressorti. Alors pareil, ça c'est, il y a quand même un tout petit peu de couleur avec le vert. Ça s'accordait parfaitement, les deux fauteuils s'accordaient parfaitement avec toute la décoration de la maison. Donc c'est assez cool. J'ai mis des petits buissons dans les trucs comme ça, ça fait un peu habillé quoi. C'est assez sympa.
Puis j'ai pas mis trop de choses là-haut, puisque je me suis dit, ils vont pas en profiter tout le temps. C'est pas comme nous, humains, on en profiterait tout le temps de notre balcon avec les fauteuils comme ça. Mais les Sims, eux, n'y vont quasiment jamais, hein. Faut bien se le leurrer. Faut pas se leurrer, je veux dire, plutôt. Le petit renfoncement, je l'ai fermé pour le deuxième étage parce qu'il ne servait pas à grand-chose. Du moins, il était très renfoncé, c'était deux carreaux, alors je l'ai fermé pour que ça fasse plus qu'un et j'ai mis le miroir devant. Pour la lumière qui était pas assez forte à mon goût, j'ai racheté, elles sont super belles ces petites lampes là que j'ai mis aussi au premier étage. C'est heure de gloire et vraiment très sympa. Ah là, pour trouver un tapis, je me suis régalée, j'ai découvert des nouveaux tapis en fait, ça c'est toujours heure de gloire, hein. Il y a vraiment des trucs qui sont très très beaux. Vraiment, les tapis, c'est la vie, quoi, donc abusez-en. Par contre, pour trouver une toile assez sympa pour mettre au-dessus du lit, c'est un peu plus compliqué. Puis finalement, j'ai mis cette toile-là, qui est toute simple, mais qui est complètement dans l'ambiance de la chambre, qui est plus zen, tout ça. Il y a des endroits où j'ai voulu mettre un peu de décoration qui manquait à mon goût. Quelque chose au deuxième étage, mais finalement je n'aurais rien mis. Et pareil pour les espèces de cages d'escalier. Alors par contre, oui, j'ai voulu mettre ces trucs là, mais finalement vous voyez, j'en ai mis 6, mais ça a empêché les Sims d'avancer, de monter les escaliers. Donc pour le premier étage, il y en a plus que 2 en haut, alors que pour le deuxième vous avez les 6, parce que ce n'est pas sur le mur où les Sims doivent marcher, donc il n'y a aucun souci. Donc dans la maison que vous pourrez télécharger, il n'y a que 2 cadres pour le premier étage. Ça reste que joli quand même, hein. Mais c'est vrai que le mur végétal, du coup, c'est plus trop le cas. C'est juste un tiers de mur végétal, quoi. Au deuxième, j'ai mis aussi un bureau, et comme dans les deux autres chambres, j'ai mis un ordinateur portable qui vient avec Strangerville, parce que je trouve qu'en plus ils sont pas très chers, et ils sont design, ils sont très sympas. Et là, j'ai mis... ça me posait un souci, qu'il n'y avait rien sur ce pan de mur. Alors j'ai commencé à mettre une bibliothèque. Et je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur les stickers avec des flèches. Je me suis dit, oh, tiens, je vais mettre des flèches. Il faut bien les utiliser un peu de temps en temps. Je ne sais pas dans quelle construction je pourrais les mettre. Et ça me gênait un peu qu'ils n'aient pas d'extérieur, en fait, vu que la maison est très en hauteur. Enfin, très en hauteur, c'est que 2 étages. Mais je voulais qu'il y ait quand même un petit extérieur. Donc j'ai ravancé la maison. Et... j'ai fait un petit extérieur. Bon, alors après, j'ai un peu galéré vu que j'avais que 2 carreaux pour faire la porte et que des fois ça passait pas trop. Alors, j'ai mis pas mal de plantes. J'ai fait une terrasse en béton comme le devant. Je me suis un peu fait plaisir. Et puis, bien sûr, comme dans n'importe quel jardin, nous avons le petit barbecue. Là, je sortais les 3 tables pour savoir lequel j'allais prendre. Puis le plus design, puisque plus moderne, c'était pour moi celui-là qui est carré. Avec la petite fontaine, j'ai essayé de voir si j'allais mettre des fontaines, plus ou moins, mais en fait non. L'éclairage de nuit. Bon, après le style moderne, je trouve que dans les Sims, on n'en a pas encore beaucoup. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais et ce que je pouvais. Mais effectivement, j'ai peut-être pas été très très fort dans le moderne. Je pense que d'autres personnes y arriveront mieux. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait quand même. Je la trouve très bien, très sympa. Je me suis éclatée à la faire au niveau coloris, au niveau forme. Vraiment très bien. Alors, j'ai essayé de mettre du lierre, mais comme j'ai des fondations, ça ne collait pas sur les fondations et ça m'emmerdait royalement. Donc, en fait, j'ai préféré les enlever. Et finalement, j'ai cédé, j'ai quand même mis une petite piscine, parce que quand même, je trouvais que ça faisait vide, et que dans une maison moderne, c'est plus sympa avec une piscine. Et à cet endroit-là, j'ai voulu mettre quelque chose, mais j'ai rien trouvé, donc j'ai laissé ça vide. Je vais vous laisser pour la visite de cette maison. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ou à vous abonner, et à checker tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Ou aussi regarder les pubs sur Utip, qui est aussi la description, pour m'encourager et me donner un peu de centimes pour les futurs packs de Sims. Allez, je vous embrasse, salut !